Manifestation de la presse, tu vois là. Ça, j'ai eu un problème sérieux. Parce que dès que le camion, il y avait l'armée du Québec, là, nommé Maheu avec son camion. Ça frisait le FLQ sur la main, etc. Et puis, à un moment donné, il a foncé dans la foule. Et là, la foule, la police est rentrée dedans. Puis a rasé tout ce qu'elle pouvait raser. Les robineux, c'était tout près de la place Vigée, là. Alors, les robineux, d'un qui avait une fracture de jambe. On l'avait entré dans les tuiles de la CSN. Et puis, Francine Lalonde s'était fait prendre de front par un coup de massue. Puis il y avait la petite la fille qui était décédée, là. De Sainte-Rosalie. Et moi, j'étais là. À un moment donné, la police, mais moi, je ne sais pas pourquoi, j'étais dans la manifestation. La police m'a pas touché. Je suis entré à l'intérieur. Là, la police était vraiment déchaînée. Elle était rendue sur la galerie, sur le perron de l'édifice de la CSN, de la Camille Saint-Denis. Là, la police voulait rentrer à l'intérieur. Et moi, je voulais un sauve-conduit pour envoyer quelqu'un qui avait une facture ouverte. J'avais un sauve-conduit pour l'envoyer à l'hôpital. C'était rien à faire. La police était déchaînée. Et avec quelques militants, Sir Lévy était là, quelques gars de la panne, puis là, j'avais décidé que la police partirait. Oui. J'avais reculé la police, parce que je leur avais demandé. Il y en a un qui est responsable ici, ça. Il veut un sauve-conduit. Alors, si vous allez descendre, des marches. Sur le trottoir, vous êtes dans votre tour. Hein. Il y a des marches, des fils, là. C'est pas que vous, ça. Alors, je les avais bravés. Faire la panne. Ça n'était pas une grève. C'est un conflit social face auquel le fédéral avait buté net. Et pourtant, des anciens de la CSN, mais il y avait beaucoup de marchands Trudeau, Pelletier, hein, tout ça. Pelletier moins. Mais de Trudeau et de marchands. Il y avait même eu une étude, on avait mis la main sur une étude du Conseil du Trésor qui disait qu'il ne fallait pas que la CSN entre dans le champ de la juridiction fédérale, du fonctionnariat fédéral. Alors, c'était une lutte acharnée. Et les gens de La Panne aussi, les gars de La Panne, étaient d'une solidarité exemplaire. Alors, ça faisait deux blocs qui s'affrontaient. Et moi, j'ai passé un temps incroyable à Ottawa, à négocier, à parler avec les ministres, essayer de voir.
puis c'était toujours non, il n'y avait, pas d'ouverture. Dans l'affaire du FLQ, l'affaire Lapagne dure encore. Alors, les FLQ avaient, dans leur manifeste, mis une des conditions, une de leurs demandes de règlement de l'affaire Lapagne. Alors, Richard Titerletti, qui était le président, était d'accord avec moi. On ne voulait pas être mêlé à cette situation-là. On avait même fait conférence de presse pour demander au FLQ de retirer son attente parce que ça nous mettait dans l'aile terroriste. Alors, ça a été un problème. Puis les gars de la PAM, quand ils disaient qu'ils étaient d'une solidarité exemplaire, là, je vais donner une précision. Ils avaient occupé l'édifice de la CSN. Ils avaient mis dehors de la CSN la direction. On était dans une chambre d'hôtel, puis on essayait de voir comment on récupérait nos locaux. Alors, et moi, j'étais entré à la CSN là, pour les rencontrer, et ils m'avaient fait une fouille. C'est un conflit, je ne dirais pas qui a été perdu, mais qui n'a pas été gagné, parce que ça s'est éteint avec le temps, même après que je sois parti de la CSN. J'avais payé le prix de la persistance, amener la lutte pour un groupe, le groupe La Palme, alors que je suis secrétaire général de tout le monde. Puis je porte le flambeau de La Palme, moi, là, en plus du mien. Et puis que ça meurt pas, c'est parce que les gens veulent le faire mourir. Une interprétation, mais c'est la mienne. Pourquoi était un des facteurs, c'est que j'avais sauvé la CSN jusqu'à un certain point stratégiquement, là, pas de seul, mais j'avais été le symbole. Comme le clan fondé était parti, il n'y avait plus besoin de deux paix. Mais c'est fait. J'avais payé le prix. Je l'avais payé vis-à-vis des permanents aussi. On était en négociation avec le syndicat des permanents et ils menaçaient de faire la grève. Puis une menace sérieuse. C'est Jean Thibault qui négociait pour la CSN, était le porte-parole. On convient au niveau de la direction que je dois me mêler du conflit directement pour aller à la table. Et moi, je vais leur dire à la table des négociations, au permanent, si vous voulez faire la grève, moi, je vous dis qu'est-ce qu'on va faire à CSN. On ferme la porte. Pas un lock-out. On dit aux membres de ne pas payer de cotisation pendant la grève. Parce que nous autres, on est une organisation de service pour les travailleurs. Si on n'est pas capable de leur donner le service, si vous n'êtes pas capable, comme permanent, de leur donner, on ne le fait pas payer. C'est là que ça s'est bien négocié pour vrai. Et également, j'avais pas fait de campagne. J'ai jamais fait de campagne. Non, je vous dis, mon engagement comme militant syndical, ça n'a jamais été ça, moi. C'est le hasard qui a fait que les postes, que mon changement de poste s'est succédé comme ça. Alors, parce que j'avais plus le sentiment de me dire « je vais servir » que de me servir. C'est tout ce qui m'a soutenu. Une semaine après, le nouvel exécutif m'avait nommé, m'avait créé un poste responsable des affaires internationales.
Je ne l'ai pas pris parce que, encore là, ma situation familiale, 9 enfants aux études, transporter ça en Belgique. Il y en avait qui avaient 17, 18 ans, qui commençaient à avoir des petits chums ici, là. Alors, non, pas de Belgique. Je suis retourné à la Fédération de la métallurgie avec Maurice Boucher parce qu'il y avait quasiment un début d'hémorragie. On avait perdu l'aluminium. Et là, j'ai milité 2 ans à la CSN et j'ai négocié plusieurs affaires, dont on venait d'organiser les employés de Bombardier à Montmagny, mais à un moment donné, c'était plus vivable à l'intérieur. Moi, je trouvais ça plus vivable. Parce qu'à Québec en particulier, les fonctionnaires étaient encore dans la bâtisse de la CSN. Les dissidents, pour certains, étaient encore là. La présidente du Conseil central, qui on l'a découvert plus tard, était un agent de la gendarmerie. Là, qui continuait à me dénigrer. Alors là, j'avais pas décidé de partir, mais le ministère de l'Éducation communique avec moi. Il y avait un poste de vacant. Ils ont converti le poste en conseiller spécial. C'est là que j'ai été nommé sous-ministre adjoint. Mais en 80, il est arrivé avec la coupure de 20%. Et c'est là que j'ai démissionné du ministère de l'Éducation. Parce que je n'étais pas d'accord avec la politique. Puis c'était clair, on m'était entendu. Moi, je vais avoir mes coups d'effrange. Et là, je suis passé au Conseil consultatif du travail de la main-d'œuvre. Et j'ai été 10 ans, là. 10 ans, 12 ans, jusqu'à ma retraite. Les relations de travail. C'est conflictuel, mais c'est pas permanent un conflit. Les gars qui vont travailler dans l'entreprise sont salariés. Ils vont pas là pour se chicaner avec leur patron. Ils vont là pour gagner leur vie. Alors, ça peut pas, les relations peuvent pas être consensuelles non plus pour dire ce que le patron dit. C'est bon. Alors, il faut avoir une relativité, une marge de manœuvre. Quand je vous disais tantôt, j'ai pas cherché à me faire aimer des syndicats. Mais j'ai cherché à me faire respecter. J'ai pas cherché à me faire aimer avec les patrons, pas tout. Mais le respect. Le respect de la parole donnée. Le respect de l'honneur. Puis clair. Et c'est avec ça qu'on se bâtit une crédibilité. Picard avait. Chut, Jérôme Picard. C'était dans les temps plus vieux que moi, c'était quand même bon. Mais Picard avait le respect parce que c'était un homme très habile, mais parole donnée, c'était ça. Puis parole donnée avec tout le monde. Ah ouais, moi, ça, c'était un de mes maîtres de négociation. Et des patrons, je ne dis pas tous, là. Les patrons de la grande entreprise, c'est épouvantable, mais les patrons des moyennes entreprises, là, ils se sont civilisés aussi en partie. Parce qu'eux aussi ont moins de force. Ça aussi, ça joue dans le portrait. Tout est concentré aujourd'hui dans les mains de. C'est plus les patrons qui mènent, c'est les banques. C'est le grand capital. Le patron là, qui a bâti ça l'entreprise, là.
pèse pas beaucoup. Les PME pèsent pas beaucoup dans la balance. Alors, tout ça, les milieux, les contextes changent. Mais changer la manière, non. Je trouve que le mouvement syndical aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus une institution qu'un mouvement. L'organisation syndicale en général. Et c'est pour ça d'ailleurs que le recrutement est si dur. C'est pour ça que la pénétration est si dure. Parce que la pénétration aujourd'hui, on l'a fait par une condition qui a été faite au mouvement ouvrier. C'est qu'ils leur ont donné la formule reine. Si, même si tu n'es pas membre, il faut que tu payes. Alors, il y a moitié des syndicats aujourd'hui, pas moitié, mais en tout cas, un tiers des syndiqués qui sont plus militants pour se former un syndicat. Ils font partie d'une machine qui est déjà là, mais qui apporte rien. Ils sont un poids jusqu'à un certain point de l'institution. Alors, ça enlève ça, du militantisme, ça enlève de la foi, puis ça enlève du spirit, pour traduire en français. C'est pas simplement la formule reine. Quand on parlait du fait des fronts communs, etc., c'était vers le groupement, l'action commune, etc. Aujourd'hui, écoutez, regardez ça, les manifestations, la protestation aujourd'hui se fait plus par des grèves. Le rapport force patronat syndicat a été diminué considérablement parce que l'État s'est emparé. On a donné à l'État des pouvoirs que les partis, au départ, s'étaient réservés elles-mêmes. À chaque fois, il y a une loi, il y a un cadre juridique spécial. Alors, la classe ouvrière est divisée elle-même dans son action au point de départ. Puis regardez les mouvements d'action. Les étudiants sont sortis en grève avec l'aide des centrales, mais en dehors. À l'heure actuelle, les coupures gouvernementales, les syndicats continuent, mais c'est les associations là, de protection de l'enfance, c'est même les parents pour l'enfant qui font une manifestation. On a continuellement des petites manifestations, on vit là-dedans. Mais il n'y a pas d'affrontement véritable contre ce gouvernement. Il y a des épreuves de force individuelle, puis généralement, ils se font manger. Bien moins efficace. Le mouvement syndical, depuis 15 ans, est beaucoup moins efficace qu'il l'était. D'autres, on négociait avec un patron. Quand j'ai commencé, là, on négociait avec un patron, on négociait pas de poids, bien sûr. Mais à un moment donné, on lui sacrait une trêve. Puis il l'avait total. Là. On donnait des passes au patron pour qu'il puisse rentrer dans son usine. Puis au contremaître, puis au cadre. On contrôlait les mouvements. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Tout est juridique, aujourd'hui. Tout est juridique et tout est normé. Puis est normé par le gouvernement. Puis est appliqué par les fonctionnaires. Il ne faut pas croire là, que le Parti libéral, à l'heure actuelle, là, il est en train de tout sabrer nos structures intermédiaires. Il est en train de tuer le militantisme. Le mouvement syndical a perdu du pouvoir en soi. Et la centralisation, avec le cadre de dire, avec l'esprit de dire, ça nous prend une loi pour protéger ça. Ça nous prend une loi pour protéger ci. Ça prend une loi pour protéger d'autres choses. Tout est normé législativement, donc c'est juridique qui règle ça. C'est pas le social. Bataille d'avocat, puis de juge, puis de prison, puis de n'importe quoi. Vous me rappellerez du fait Sainte-Claire de Chaussin-Prévost. On organise les syndicats-là. Le patron convient, président du syndicat, puis trois autres membres, trois autres signataires qui demeuraient en pension chez le président du syndicat. On réunit le gars, un moyen, la grève.
Le lendemain matin, tout le monde est en grève. On reçoit une injonction. Je dis que c'est au gars que c'était l'injonction, que ça s'intègre dans le système, qu'elle était pour ça. Pas si grave que ça. On voit du voyage, tu sais, puis on tempère un petit peu. Les gars, dans le temps, c'était en mode des antennes de radio extérieures, puis ils accrochaient n'importe quoi dessus, là. Une queue de renard, vous vous rappelez de cette période-là? Les gars avaient pris leur injonction, puis leur avaient été signifié, puis ils avaient fait parade dans le village avec les injonctions au bout des antennes. L'avocat avait pris peur. On avait arrêté, il avait repris le gars dans 3 jours. En 3 jours, la grève était finie, puis les gars étaient au travail, puis le président du syndicat était à l'antenne. Un militant, c'est quelqu'un qui travaille pour des idées et pour un mouvement. Les mouvements d'action catholique, les mouvements les mouvements politiques. C'est un gars qui a d'abord une croix, puis une foi. Donc, une croix, une foi. Ça, c'est un militant. Un professionnel ou un salarié, c'est quelqu'un qui pense à sa carrière, à son avenir, au salaire. À la CSN, il y en a eu 2 bandes. Puis pas rien que, je ne fais pas la distinction entre les militants, là, les sacrifiés, les donnés, puis les salariés. Ce n'est pas la distinction. Parce qu'on a eu des militants salariés qui ont fait carrière à CSN, qui ont été des arts extraordinaires dans tous les secteurs. Mais c'est ça la différence. C'est entre le mouvement et l'institution. Un militant, c'est un gars qui va avoir le cœur du mouvement. Donc, de quelque chose qui part et qui va aller là. Un permanent, ça peut être aussi un militant, mais un permanent, c'est d'abord un gars qui s'est trouvé un job à son coup, puis embarque là-dedans. Les militants font généralement carrière dans le mouvement. Les permanents font un passage. Un militant syndical, puis je ne devrais pas dire ça, mais un militant syndical qui devient directeur de personnel dans une entreprise. C'est un militant à tempérament. On avait un temps à la CSN. Il y a eu un temps où on fournissait les voitures au personnel, aux militaires. Ils nous remboursaient 20 piastres par mois pour la gasoline de la réserve personnelle. À un moment donné, il y en a un dans la gang. Il regarde la convention à base. Puis il dit, je prends les vacances à Victoria cette année. Je traverse le Canada. Il se roule une roulotte. Il attache ça dans l'arrière d'un pontiaxis, c'est ça qu'on avait. Puis il part à 20 piastres par mois pour payer son voyage en Californie. C'est pas un militant. C'est un gars compétent, mais c'est pas un militant. La première, c'est de ne pas être trop doctrinal au point de départ. D'accepter la discussion des idées la plus large possible. 4. Il a fait un choix de respecter jusqu'à son terme. C'est en groupe qu'on bâtit une société
non pas rien que sur ses idées personnelles. Et la démocratie, c'est une belle affaire. Je pense que c'est Lambetta, un politicien, un philosophe français qui disait « La démocratie, c'est pas rien que de se reconnaître des égaux. Tous les jours, on se reconnaît des égaux. La démocratie, c'est d'en faire. Donc, d'accepter de s'occuper des autres. Et c'est comme ça qu'on trouve son bien à soi. C'est travailler pour demain. Pour avoir meilleur aujourd'hui, mais pour demain. Parce que demain, quand on n'est plus là, il y en a d'autres qui sont là.